suis dingue de cette fille. Sa façon de marcher, sa bouche, son nez, ses yeux. Ah, moi, franchement, je la trouve super. C'est ma mère. Pour être heureux, on n'avait besoin de personne. Ni de Deep, ni de Freud, ni de Lacan, ni surtout d'Antoine. Ça fait 11 mois qu'on se cache. On n'ose même pas se prendre la main devant lui. Il faut que tu y ailles. Non, je te préviens. Ça va pas durer des années comme ça. Merde. Oh, mais il la touche, putain, il touche ma mère. Il faut juste lui expliquer. Maintenant, ça va changer. On va vivre ensemble. Bonsoir, je m'appelle Antoine. Tu te souviens de moi? Tu m'as vu à poil dans le couloir. Joyeux anniversaire. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je suis Jean, le papa d'Achille. Je suis Antoine. Oui, j'ai compris. Achille! Achille! T'aurais pu lui annoncer ça tout doucement, quoi. Bonjour Antoine, et boum, il est dans notre lit, alors. Dans mon lit. Pour Achille, c'est encore le lit de papa et maman. Hein? Il peut t'aider à faire tes devoirs, il peut jouer avec toi à des jeux de garçon. Avec toi aussi. Non, hé, hein? Quoi, il est pas bien, t'es médecin, alors fais quelque chose. Mais attends, je suis nutritionniste, Isabelle, hein, il a pas de problème de poids que je sache. Les enfants, j'ai pas le mode d'emploi. Alors, il faut que tu me laisses un peu de temps. Parce que j'aime ta maman. Alors, ami ou ennemi? Ennemi. Oh merde! Dis-moi que c'est pas toi qui as fait ça, Achille. Avec une faute d'orthographe en plus, qu'est-ce qu'il y a au bout de gros? S. Ah, S. Évidemment, ça pourrait être pire. Ça pourrait être ma voiture, par exemple. Regarde, elle est garée là en face. Oh, excuse-moi, mais alors. Tu me détestes? Non, tu me détestes. L'idéal, ce serait qu'elle se remette avec papa. Si on faisait du passé. Table rase. Et pour ça, il faudrait qu'elle dégage d'Antoine. Et comment tu vois ça? T'as une idée, un plan? Ah ouais. Ça en marche.